Yo les potos, c'est Enmario. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être un gameplay sur Black Ops 2 en ligue. Donc ça va être une très très belle partie. Donc ça sera avec la Humid. Alors avec la crosse, viseur réflexe, poignée ergonomique, voilà, avec en secondaire un petit B23R qui passe bien. Et puis voilà, ça va être une très belle partie. C'était donc en ligue, donc c'est du 4v4, je tiens à le rappeler. En recherche et destruction. Donc voilà, techniquement je vais débloquer mon aéronef quand en milieu ou en fin de partie, je vous laisse voir ça. Et puis voilà, donc aujourd'hui on va partir directement dans le sujet. Donc vous l'aurez vu un peu en titre, de toute façon c'est bien vivre son aventure YouTube le titre. Alors pourquoi déjà j'ai voulu faire ce sujet, non pas vous faire une vidéo du genre du gars qui a je ne sais quelle expérience, qui a je ne sais quelle communauté. Non, au contraire, parce que j'ai une petite chaîne moi de mon côté. Mais vous parlez de plein de petites choses, etc. Histoire de vous donner un petit peu, on va dire, mon point de vue, on va dire, sur la chose, d'accord. Alors moi, YouTube, je vois ça comme étant une plateforme de divertissement, comme beaucoup de personnes le voient, enfin j'espère. Hein. Et le but, hein, un peu, pourquoi je suis là, principalement parce que pour moi, YouTube, non pas que c'est une passion, mais c'est une sorte de passe-temps, voilà. C'est pour beaucoup c'est une passion, moi c'est plus un passe-temps qu'autre chose, c'est une sorte de loisir parce que ça prend exactement le même temps qu'un loisir. Et puis voilà, bien sûr je fais quelque chose à côté, etc. Normal, mais voilà, pour moi c'est une sorte de passe-temps, voilà. Alors dans la vidéo je veux pas vous dire oui, si vous voulez gagner des abonnés vous faites ça, c'est pas une vidéo de genre réussir sur YouTube ou un truc comme ça. Non, au contraire, c'est vous donner mon avis sur plein de petites choses et comment moi je vois un petit peu cette aventure. Et bah voilà, vis-à-vis du peu de vécu que j'ai sur cette plateforme. Et puis voilà. Alors direct, quand en général vous avez une chaîne ou quoi, principalement vous allez penser à augmenter votre chaîne, etc. Que vous soyez quelqu'un qui ne pense pas au nombre d'abonnés ou autre. Bah voilà, ça va être ça. Donc la première chose que je peux vous dire, c'est axer les chaînes communautaires. C'est vrai que c'est difficile pour certaines, pour passer sur certaines chaînes et tout, mais accès, sincèrement, je pense que tout le monde a ses chances. Des fois je vois des personnes upload, ben voilà, ils ont pas forcément une grosse communauté ou quoi, des fois le commentaire est pas forcément, mais c'est pas du genre le truc excellent, vous voyez, à 100%, mais il passe quand même. Enfin, voilà, pas besoin que ce soit excellent, hein, pour moi, à mon goût, mais voilà, ça passe quand même. Et vous voyez qu'ils sont upload, bon, pour moi c'est voilà, que ça prouve que tout le monde est entre guillemets uploadable et que tout le monde a ses chances. Faut juste être patient, je pense, à mon goût, et avoir un petit peu de chance, voilà, des fois un petit déclic, un petit truc simple, je sais pas, du genre, je sais pas, si un jeu plaît pas, direct proposer derrière un autre type de jeu, et paf, histoire que bah, la chaîne communautaire en question bah, remonte un peu la pente, etc. Voilà, des fois c'est des trucs basiques, vous savez pas ce qui se passe en off de la chaîne, et puis voilà, vous êtes uploadé. Donc vis-à-vis des chaînes communautaires, etc., vous cassez pas la tête, parce que j'en vois plein des fois qui sont un peu comme ça. Genre ils sont pas uploadés et tout, bah ils vont commencer à se prendre la tête, ils vont commencer à se casser la tête du genre oui ils me uploadent pas, ils me répondent pas et tout. Vous prenez pas la tête, tentez vos chances, différentes chaînes. Au début bah voilà, on vise un peu ce qu'on peut atteindre, enfin ce qu'on, voilà, histoire de commencer et tout. Après petit à petit vous essayez de viser un peu plus haut, et des fois si ça passe pas, ça passe pas. Si ça passe, bah voilà, vous êtes content comme on dit, et on est content, voilà, parce que voilà, il suffit de proposer je ne sais combien de vidéos, je pense sur une vingtaine, c'est sûr que je pense qu'il y en aura une uploadable sur différentes chaînes, voilà. Après, ce que je voulais vous dire aussi, une petite chose, hein, ça peut paraître basique pour beaucoup, hein, mais principalement, je le dis encore une fois, c'est moi comment je vois un petit peu la plateforme. Donc, durant la vidéo, je vous invite à partager un peu comment vous la voyez vous, c'est-à-dire pas commenter seulement en fin de vidéo, c'est-à-dire au fur et à mesure de la vidéo. Comme ça, il y aura, bah voilà, le commentaire, je pense, il sera plus expressif. Alors moi, comment je vois un petit peu, bah, entre guillemets, la plateforme, principalement au niveau des vues et des likes. Alors moi je me focalise pas du tout là dessus pourquoi? Bah c'est simple, parce que si vous focalisez sur tout ce qui est vues et likes, sincèrement il y a de grandes chances que vous allez vouloir un petit peu stopper un petit peu votre chaîne, enfin, principalement si vous vous focalisez sur les likes. Un exemple basique, hein, moi j'ai une petite chaîne, une nouvelle fois je le dis tout le temps, cette vidéo là est principalement, on va dire, pour ceux qui sont à peu près dans mon stade et tout, parce que quelqu'un qui a une plus grosse chaîne, je pense pas qu'il va s'intéresser à cette vidéo. Enfin bref, par exemple, moi j'ai une petite chaîne,
Je suis à un peu plus de 900 abonnés et par exemple, je sais que j'ai pas 900 personnes qui vont regarder mes vidéos, vous voyez. Ça peut tourner entre 100 et 300, ça dépendra tout simplement, voilà. Et mais je me focalise pas forcément là-dessus, ni forcément sur les likes. Exemple, si vous avez plus de 900 abonnés et que vous tournez entre 40, 50 likes, etc., voilà. Pour certains, ça peut être déprimant. Moi, pour moi, c'est pas le cas parce que je me focalise vraiment pas là-dessus. Je me focalise vraiment sur l'interaction. Parce que si je me focaliserais sur tout ce qui est vu et tout, bah sincèrement j'aurais stoppé depuis pas mal de temps. Parce que c'est vraiment pas ça qui donne envie de rester. Parce que vous voyez que ça baisse de jour en jour au lieu d'augmenter de jour en jour. Donc voilà, en fait ça c'est bizarre parce que vous gagnez de plus en plus une communauté. Mais vos vues entre guillemets diminuent ou stagnent. Ça c'est bizarre. Donc voilà. Pour moi, si vous focalisez là-dessus, bah ça va être négatif pour votre morale. Après, ça se trouve, ça peut l'être positif, hein. Si au contraire, vous avez 900 abonnés et faites 900 vues, là, c'est autre chose. Mais voilà, je parle vraiment pour ceux qui sont à peu près dans le même cas que moi. Et puis voilà, tout simplement. En fond, dans le gameplay, vous voyez que ça se passe plutôt bien pour moi. C'était de la ligue, hein. Ce gameplay date quand même de pas mal de temps. Et puis voilà, je sais que les gens, ils aiment bien Black Ops 2, ils aiment bien la ligue et tout. Et puis voilà, c'était pour ça que je voulais vous proposer, et puis voilà. En plus, le gameplay est assez long, je pouvais vous couper les petites coupures et tout. Et comme le commentaire, on va dire, est plutôt long, j'ai décidé de vous laisser ça tout simplement, voilà. Après, je voulais vous parler d'une chose aussi, qui est ça pour moi, c'est très important. Par exemple, lorsque vous avez une nouvelle fois une chaîne et tout, vous forcez jamais, hein, c'est une nouvelle fois, c'est mon avis. Voilà, si vous avez un avis autre, n'hésitez pas. Mais vous forcez pas à produire des vidéos ou d'en proposer, hein, comme je dis, parce que ça se trouve là il y a quelqu'un qui a une chaîne qui m'écoute ou qui a une chaîne communautaire ou je ne sais quoi, vous voyez. Donc voilà, ne proposez pas de vidéos en gros quoi, ne proposez pas de vidéos quand vous en avez pas envie. Voilà, c'est le conseil que je vous donne. N'hésitez pas des fois à faire des petites pauses, je sais pas, parce que des fois bon, vous allez en proposer alors que vous avez pas forcément l'envie, vous avez pas forcément le moral ou la motivation, et bien tout simplement ça va faire une chose, c'est que les gens vont comprendre, vont le ressentir. Je tiens à rappeler une chose, c'est que parmi les personnes qui vous suivent, c'est pas forcément des gens qui n'ont pas de chaîne, vous voyez ce que je veux dire ou pas. Il y aura des personnes aussi qui seront comme vous et moi ou d'autres youtubeurs ou youtubeuses, vous voyez ce que je veux dire ou pas. Moi, comme j'ai dit tout le temps, je me considère pas comme quelqu'un qui est je me considère pas comme youtubeur, mais je suis viewer depuis le début. C'est parce que je suis viewer que je me suis lancé entre guillemets sur YouTube, parce que voilà, ça m'a donné envie en regardant des vidéos d'autres, vous voyez ce que je dis ou pas. Entre guillemets, on est tous l'abonné de quelqu'un, on est tous viewer d'une certaine manière. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc voilà, bon, pour pas trop m'éloigner, vous me connaissez pour la plupart, j'aime bien débattre, j'aime bien parler, etc., vous dire plein de petites choses, mais comme je le dis, le gameplay est plutôt court pour moi pour aller, on va dire, trop loin. Donc voilà, pour ceux voilà qui par exemple vont se forcer ou quoi, moi je vous dis faites pas ça. N'hésitez pas des fois à ne pas en proposer, etc., quand vous n'avez pas envie, pas proposer de vidéo bien sûr. Bah, pourquoi? Parce que ça va se ressentir, et voilà, les gens, comme je vous dis, sont pas bêtes. Les personnes qui vous écoutent sont pas bêtes, donc ils vont comprendre que ça va pas forcément, etc. Donc voilà, un conseil, n'en proposez pas. Les gens sont intelligents, si vous n'en proposez pas, à un moment ils vont comprendre qu'il y a un petit souci ou quoi. Au pire, vous faites un petit post dans les commentaires ou via vos réseaux sociaux, etc. Ils vont comprendre. Donc voilà, ça c'était ne jamais se forcer. C'est vraiment un truc, ne jamais se forcer, parce que je sais que beaucoup, par exemple, ont un rythme de vidéo, par exemple. Un exemple basique, moi c'est tous les samedis, d'autres c'est enfin moi-même à un moment c'était mercredi, samedi, enfin ça dépend en fait des fois, etc. Voilà, vous forcez pas, tant qu'à faire ne mettez pas de planning, voilà, ça sera que bénéfique, parce que si vous faites un planning et vous le respectez pas, bah les gens vous en voudront un petit peu, vont vous dire oui, t'es un menteur, t'assumes pas ce que tu dis, etc. Des trucs basiques, c'est plus du troll 99% qu'autre chose. Mais voilà, c'est un petit truc, c'est un petit conseil que je vous donne, vous forcez jamais à faire quoi que ce soit, voilà, faire quoi que ce soit, même si vous faites un dual ou autre chose, forcez jamais. Un exemple basique, comme j'ai dit tout le temps, les duals ou quoi, moi je les fais en général avec les personnes que j'apprécie. Je ferai pas ça pour par intérêt ou je ne sais quoi, parce que pour moi ça en vaut pas la peine. Voilà, c'est vraiment ce côté là de partage,
ce côté de divertissement. Comme je dis tout le temps, vous allez faire de très bonnes rencontres et aussi de très mauvaises. Mais voilà, pour moi, c'est tout ça qu'il faut, entre guillemets, enfin, de mon point de vue, bien sûr. Une nouvelle fois, je vous invite à interagir, hein, à vous donner votre point de vue. Moi, pour moi, c'est tout ça qu'il faut pour, voilà, quand vous avez une chaîne, vraiment pas vous casser la tête et passer du bon time et rester, on va dire, entre guillemets, un maximum de temps sur la plateforme. Voilà. Moi, c'était tout. Proposez ce que vous voulez, proposez sur votre chaîne, proposez ce que vous voulez quand vous voulez sur votre chaîne, et passez du bon time avec les gens qui vous apprécient et qui, voilà, tout simplement vous suivent, etc., qui vous encouragent de jour en jour. Et puis voilà, c'est principalement le conseil que je voulais vous donner. Et puis voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à là. Je sais, je suis bavard. Mais bon, au passage, je débloque l'aéronef en fin de partie. On finit sur un 6-1. Puis voilà, pour moi, c'était une très très belle partie. Avec un 19 élimination pour deux morts avec une pause. Voilà. Ciao, ciao les amis, c'était El Mario. Et je vous dis à la prochaine.